C'est parti pour cette nouvelle session d'information Surface Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal par l'élément de la Cour constitutionnelle contentieux sur les résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. La Cour constitutionnelle rejette toutes les requêtes des candidats députés nationaux dont les élections ont été invalidées pour fraude, corruption et bourrage d'urne. Images et commentaires. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu public dans l'après-midi de ce jeudi 8 février à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ses arrêts sur un total de 68 requêtes introduites à la Cour constitutionnelle en contestation des résultats des législatives nationales de décembre 2024 ont été déclarés non fondés par la Haute Cour, siégeant en chambre foraine à la Cour de cassation. À en croire la même source, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a annoncé à l'ouverture de l'audience foraine du jour que 35 dossiers sont frappés d'irrécevabilité et 2 cas de désistement des partis sur les 68 requêtes. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a annoncé le rejet de toutes les 68 requêtes, soit pour des raisons d'irrécevabilité ou encore parce qu'elles ont été non fondées. Lors d'une importante communication faite début janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'invalidation de 82 candidats à la députation, reconnus coupables notamment des faits de corruption, de détention illégale des dispositifs électronique de vote, de fraude et d'incitation à la violence. La centrale électorale avait expliqué que cette décision a été prise sur pied des articles 29, 30 et 31 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant son organisation et son fonctionnement, mais également lui donnant le pouvoir de se saisir et être saisi de toute question quelconque relevant de sa compétence et en délibérer. Ainsi, plusieurs hauts cadres des institutions de la République et différentes grandes figures politiques nationales ont été évincés des scrutins législatifs. De ces faits, plusieurs d'entre eux, dont Gentil Ngobila, Charles Mboutamout, Tatiana Pembe, Evariste Boshab, Trinfo Kinke Moulumba, Willy Bakonga ou encore Servo Pichoum Tingi Pouloulou, avaient décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir gain de cause. Quel parti ou regroupement politique sera de l'opposition ou de la majorité? La réponse à cette question sera connue dans plus ou moins 30 jours conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a désigné Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, comme informateur. Aussitôt désigné, il a été reçu par le premier citoyen de la République. Neftali Tshikusa pour les détails. Quelques heures seulement après sa désignation comme informateur, à travers un communiqué officiel, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'entrevue a tourné de la mission confiée au chef du parti présidentiel. Conscient de cette lourde tâche, Augustin Kabuya dit toute sa gratitude au président Tshisekedi et pense compter sur l'expérience de ses prédécesseurs. Je commence d'abord par remercier le directeur du sénateur qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Je remercie aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin qui a voulu que ça se passe. Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand je vais consulter d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi, ça tombe là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je vais faire avec les députés que je vais consulter. Notons que Augustin Kabuya a environ 30 jours pour consulter les différentes forces politiques, partis et regroupements politiques ayant des députés nationaux pour cette législature. Finalement, dégager la majorité parlementaire d'où sortira le premier ministre et formateur de gouvernement. Rendons-nous à présent au Nord Kivu. La ville de Goma a été touchée par de nouvelles bombes larguées par le mouvement du 23 mai, soutenu par l'armée rwandaise, causant ainsi la panique au sein de la population. Les détails dans cet élément de Neftali Tshikusa rendu par Onuri Lunga. La psychose est de plus en plus grande dans la ville de Goma depuis la matinée de ce mercredi 7 février 2024.
Après la bombe qui est tombée à Mungunga, près de l'école du cinquantenaire à 6h du matin, sans avoir fait de dégâts humains, une autre est tombée vers 12h dans le même coin communément appelé Chez Amour, près du campus de l'université de Goma, selon les témoins sur place. Pendant ces temps, sur les lignes des fronts, deux autres bombes sont tombées dans la cité peuplée de Sake, en territoire des Masisi, qui s'est vidée de ses habitants, fuyant le bruit des armes. L'une des bombes est tombée près de la base de la MONUSCO à Kwili. Plusieurs sources pointent du doigt les terroristes du M23 qui larguent des bombes vers l'agglomération habitée. La situation continue à se dégrader. Deux habitants de Sake et ses environs arrivent à Goma après plus de 27 km de marche. L'armée continue à renforcer ses derniers verrous afin de sécuriser la capitale du Nord Kivu alors que les affrontements se poursuivent autour de la cité de Sake entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 RDF. Ni la manipulation ou les mensonges prendront les dessus sur la détermination du peuple congolais et les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à défendre chaque centimètre du territoire national jusqu'à la dernière goutte de leur sang. C'est la ferme déclaration du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, dans une conférence presse organisée à Kinshasa. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kirotche, et les combats sont en cours autour des Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Je vais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années et des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons, et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Depuis le début de la semaine, les affrontements ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 et un cadre de l'IDPS, maître Didier Bipendu, salue la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il condamne la position de la communauté international, mais aussi les Américains, d'être derrière tout ce qui se passe dans l'est du pays. Il a été joint au téléphone par Benita Kadebo. Aujourd'hui, grâce à Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, l'ennemi qui était en train de déranger la quiétude du peuple congolais est connu. Désormais, ce n'est même pas les Rwandais. Pour moi, ce n'est même pas les Rwandais. Le vrai ennemi, ce sont les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne. Kagame, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Et aujourd'hui,
Félix Tshisekedi, chef de l'État, en est un bon politicien, un félin politicien. Il a mené le jeu jusqu'à mettre à nu tous les ennemis du Congo. La disqualification de Léopard au final de la CAN. Madame, le pays est sous le choc du sang qui coule à l'est du pays. Le pays est en train de pleurer ses cadavres, de ces cadavres qui ont connu la mort au bombardement rwandais par l'entremise de M23. Comment est-ce qu'on pouvait aller jouer et avoir une morale à sa place pendant que nos frères sont en train d'être massacrés? Innocents qu'ils sont, mais molestés, massacrés. Vous aviez évoqué la question selon laquelle n'est-il pas temps pour que la RDC fasse des offensives? Oui, le chef de l'État avait dit à la moindre escamouche, il va convoquer le Parlement, le Congrès plutôt, pour qu'on puisse lui permettre de faire la guerre. Oui, les gens commencent à patauger dans tous les sens que non, il avait dit, mais il faut le lire à sa bouche, c'est-à-dire, il va convoquer le Parlement en Congrès, donc, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre basse. Donc, pour le moment, s'il doit convoquer le Sénat, s'il doit convoquer le Parlement, il va convoquer quel Parlement? Il va convoquer quel Sénat? Donc, comprenez à ce que l'ennemi a compris que nous sommes dans une phase où on est en train de mettre l'architecture des institutions nouvellement élues pour que, dans les jours à venir, s'il y a possibilité de convoquer un congrès, le deux chambres, pour demander la permission de faire la guerre au Rwanda, nous allons le faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous saluons la bravoure de nos phares d'essai qui ne se lassent pas un seul instant. Un cas de noyade a été signalé dans la rivière reliant le quartier Kimbulu au quartier Moutiri dans la commune de Boulengera. Nous sommes là dans la ville de Beni. Il s'agit d'un enfant âgé de 11 ans, écolier en 5e primaire. Contacté par votre rédaction, la société civile de cette commune nous confirme le fait. Hier mercredi, une fille d'environ 11 ans qui restait dans la cellule Saba quartier Kimbulu a pris le soin d'aller faire la lessive de ses habits, mais malheureusement, pendant qu'elle était à pleine activité, le savon est tombé à pleine rivière. Et la fille qui voulait coûte que coûte récupérer ses savons, malheureusement, elle est tombée dans une eau profonde. On a tenté d'alerter les gens, les taximens, ils sont venus. On l'a même amené à l'hôpital, mais malheureusement, ça succède, c'est vraiment une situation horrible et nous, comme société civile, nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille biologique. Il faut rappeler que c'est une fille qui était à 5e année primaire. Mais notre message auprès des parents, c'est de voir dans quelle mesure essayer de contrôler les enfants pour essayer de contrôler leurs mouvements, parce que une fois on ne contrôle pas bien nos enfants, les dangers peuvent vraiment arriver. Ça veut dire ne pas envoyer les enfants là où il y a des dangers, par exemple dans des endroits où il y a des carrières, où il y a des troubles très profonds, dans des endroits où des menaces peuvent peser, en tout cas sur nos enfants, messieurs les journalistes. De retour à Kinshasa, des morts et des blessés, mais aussi des dégâts matériels à signaler dans un accident de circulation enregistré ce jeudi 8 février 2024 dans la commune de Kimbanseke, au quartier Mikondo. Neftali Chukusa nous en parle. Une dizaine de morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation. Cet accident de circulation se produit dans la matinée de ce jeudi 8 février au quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. D'après les informations recueillies par des témoins sur place, un camion de marque Ben a fini sa course dans un minibus de transport en commun communément appelé des 107 sur le boulevard Lumumba. Un incident qui va causer plus d'une dizaine de morts et beaucoup de blessés. Il faut rappeler que le camion chinois de
de Marc Ben, en selon les experts, le problème des freins qui est en danger grave dans la ville où la population est habituée à se déplacer massivement du jour au jour. Il sait de dire que des femmes qui vendent le long des artères et des hommes ont perdu leur vie alors qu'ils sortaient pour se débrouiller, raison pour laquelle il faut l'implication des autorités compétentes pour le contrôle technique des véhicules qui pourra les amener à l'identification et mettre fin à ces dangers mortels et perpétuels. La gingembre, une épice pour la cuisine avec une saveur un peu piquante, mais elle est une excellente alliée pour la santé. Sarah Mboui nous en parle. Le gingembre officinal est une espèce de plante originaire d'Inde et de Chine du Sud. On utilise le rhizome en cuisine, en médecine traditionnelle. On le cultive dans toutes les zones tropicales de la planète. Les effets bénéfiques du gingembre sont nombreux. L'utilisation interne stimule le système immunitaire, antibactérien, anti-inflammatoire, antiviral, aide à lutter contre la fièvre, les états grippaux, les allergies. Quelques études ont étudié et confirmé les effets anti-inflammatoires, notamment en cas de douleurs musculaires et des dysménorrhée primaire, antifongique, soulage la douleur, maux de tête, règles, spasmes digestifs, troubles gastriques, prévention de certains cancers, col intestin, ovaire, maladie cardiovasculaire, de la maladie d'Alzheimer, protection des cellules du corps contre le vieillissement. La consommation ou l'application du gingembre requiert parfois un avis médical en cas de réaction de peau ou de prise de médicaments. Qu'il n'y a pas de contre-indication, d'une manière générale, on peut consommer entre 0,5 et 1,5 g par jour pour obtenir des résultats satisfaisants. On déconseille la consommation du gingembre avant une opération à cause de ses propriétés anticoagulantes. Il n'est pas expressément contre-indiqué aux femmes enceintes, mais il leur est recommandé de ne pas consommer sur une très longue période. On déconseille la consommation des gingembre avant une opération à cause de ses propriétés anticoagulantes. Il n'est pas expressément contre-indiqué aux femmes enceintes, mais il leur est recommandé de ne pas le consommer sur une trop longue période. Pris dans le cadre d'un diabète, la glycémie doit être étroitement surveillée. Les gingembre peuvent être consommés partout et à n'importe quel moment de la journée, puisqu'ils ne provoquent pas de somnolence. Il n'y a pas de précaution d'emploi particulier à suivre. Il est utilisé de plusieurs façons. Tisane, boisson fraîche, râpée, gingembre confit. On y trouve la présence d'huiles essentielles, d'amidon, de nombreuses vitamines B1, B2, B3, vitamine C et minéraux, manganèse, phosphore, magnésium, calcium, sodium, fer, qui ont pour effet de dynamiser l'organisme. Après la défaite des léopards face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le mercredi 7 février 2023 pour le match comptant les demi-finales, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a remercié le staff technique et il a loué le parcours des léopards. Image et commentaire. Radel hangs it back. Halle at the back post. Halle goal! Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a tenu à encourager les léopards de la République démocratique du Congo pour leur parcours très honorable dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN après leur défaite en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le mercredi 7 février. À travers un message posté sur le compte X de la présidence de la République, Félix Tshisekedi a souhaité de bonnes chances aux hommes de Sébastien Lesabre pour gagner la petite finale qui aura lieu ce samedi contre l'Afrique du Sud. Le chef de l'État remercie les joueurs et le staff technique congolais pour l'honneur rendu à la nation, particulièrement la population meurtrie de l'Est du pays. Le président Tshisekedi souhaite bonne chance pour la petite finale qui aura lieu ce samedi contre l'Afrique du Sud, souligne la présidence. Les léopards congolais ont été éliminés par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un score étriqué d'un but à zéro dans un match comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Ainsi, les hommes de Sébastien Lesabre vont multiplier les efforts pour arracher la troisième place ce samedi face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, une mission qui semble être difficile pour les Bleus de la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas pu s'imposer face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le mercredi lors du match comptant pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas de victoire, mais ils ont quand même réussi à faire passer un message, celui de dénoncer les silences de la communauté internationale face aux atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Commentaire.
Un hommage aux victimes de violences de guerre, crimes contre l'humanité à l'est du pays. Un match perdu pour les Léopards, une déception pour le Congolais. Pour ce match qui aurait pu nous qualifier pour la finale, les Léopards de la RDC ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Non, vous savez, ça va être très difficile, mais nous, on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot, le plus important, on reste tête haute. Ça reste encore dernier match, tout est possible. On va rentrer à l'hôtel bien reposé après pour concentrer la prochaine match. Je ne sais pas, mais tout le monde ils savent. À Goma, ça fait déjà, je ne sais pas, 20 ans. Il y en a des guerres, il y a beaucoup de massacres là-bas. Le plus important, nous on a passé notre message. Nous on a fait notre devoir sur le terrain. Après, je sais très bien, il y en a. L'Union européenne, il va voir. Parce qu'on a fermé la bouche, on a fermé les yeux. Nous, on a fait notre devoir sur le terrain. On a montré à tout le monde qu'il y a beaucoup de massacres au Congo. Toute l'équipe avec un brassard noir, symbole de soutien aux victimes de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Même si nous n'avons pas remporté la victoire de ces matchs, bravo aux Léopards de la RDC qui se sont battus du mieux qu'ils peuvent. Nous espérons que la prochaine fois, les Léopards joueront encore mieux pour nous apporter la coupe. Félicitations aux Léopards et au message de paix, portez haut. À force de se concentrer sur ce que l'on veut avoir, on perd quelquefois ce qu'on a déjà par négligence. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec moi que cette édition du journal est complètement finie. J'ai dit un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, Christian Loa, Pepito Matondo, Neftali Chikusa, Jean-Condé Mbadou et Nazareth Kongolo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement à la même heure sur la même chaîne. Salutations spéciales à Nathalie Kabengele. Au revoir.